mbote bouti kumuna makambo salami na gouvernement d'occupation na ba complice na bango ba congolais ou ba sana kati ya mboka tuyebi saki bino ke boponomi ekosala mate mbeo ke kosala mate mpo boponomi ezali neti moto aza na kati ya nzete ali kuona nzete asengi bato bakata soki bakati nzete na nzete na ye bakokwea mpe soki akwei mokongo makolo maboko meme motu ekobukana toyebisaka bino depuis kala ke ekoki kosala matea bato nyonso oyo baza kosala bakampagne mpo bazokomibenga bakandidat bango nyonso bazali motu moko na monguna oyo akota na mboka mpo monguna wana nde moto afutaka bango alors bakoki kocontredire monguna te bazali bana misala ya banguna wana ce qu'on appelle en français les occupants bana beni bana butembo bana goma bana yumbu bino bolakisi déjà signe ya révolution oyo bamosusu bazokobenga soulèvement populaire bo koba se kokoba bo continuer kotika te ndenge Marshal Mobutu aloba oye koya eya tozali na besoin toza na ntina na élection te botika ki fanatisme botika ki tribalisme botika ki ethnicisme tozali kolonga déjà du fait que pendant 20 ans bazokoka kokabola biso te inkisi Mobutu atika inkisi Lumumba atika eza kisi Kasavu batika eza kisi Kimpavita na Kimbango batika ke ifo tozala esika moko mpe tokabona te tokoba se kokoba tolakisa bango ke mboka mabele ezali ya biso tozali mingi mingi koleka zelo oyo ezali na plage ya Oseya mingi koleka bakokotie na kati ya nzete mingi koleka bakafe mingi koleka bapaipai na kati ya nzete mingi mpe tozali kaka se moto moko contre bango baza na bibondili biso za bibondili te banda mampinga bino basoda ntango yangoyo bolongwa na ngambo ya banguna bosala conversion bon être à nouveau parce que bosi bosali masumu mpe mabe mingi bokota na kati ya population boyeba minduki boarme ba population tobunda baza mingi te tobukuta bango watoto wote wa Congo ni mimi ndugu wenu bwana jemadari Vibikir Kilele na felicite watoto wa Beni watoto wa Goma watoto wa Butembo watoto wa Yumbi popote muko Kinshasa Matadi Equateur Kisangani Katanga Kasai yote mbili Bandundu Muhamke musimame na tupigane na wadui tuwaue mukamate mikuki visu mashoka miti muwapige tuwashambulie wote ni nchi yetu ni nchi ya Lumumba ni nchi ya Kimpavita ni nchi ya Kasavubu ni nchi ya Mobutu ni nchi yetu sisi sote vive le Congo.
Bonjour à tout le monde. Les élections à risque, à grand risque même, viennent de se dérouler au Congo. J'évite d'appeler ça la République démocratique du Congo parce qu'elle n'a jamais été une démocratie. Ce qui étonne d'abord, c'est un peu l'engouement de médias internationaux qui ont envoyé leurs délégués au Congo et plus particulièrement à Kinshasa. Le trois quarts de ce média ne font que des reportages soutenant le camp de l'occupation, ce que nous appelons ou ils appellent la majorité présidentielle. Je ne pense pas que les nationalistes que nous sommes, par observation, ont droit de parole dans tous ces médias. On le voit en général et on entend que les gens qui soutiennent le régime en place. Afrique Média, une chaîne toute nouvelle que j'aime beaucoup, m'a déçu, mais ce n'est pas aussi leur faute, de faire passer une sorcière politique qui s'appelle Francine Muyumba. Monsieur d'Afrique Média, Francine Muyumba n'est pas une Congolaise. C'est une copine à Hippolyte Kagame Kanambe. Elle est Tutsi. Elle fait partie des occupants. Faites un effort d'approfondir vos recherches et de donner le droit de parole aux nationalistes. Ne cherchez pas à présenter un décor fasciste en accordant la parole aux gens comme celle-là. Sans doute, c'est l'expression libre, tout le monde doit dire ce qu'elle veut, mais vous devez chercher à comprendre la situation au Congo au lieu de vous limiter à des velléités d'un régime qui corrompt presque les médias au monde. Nous connaissons ce qui se passe. Quand nous voyons Moïse Katumbi passer sur TV5, sur France 24 et sur BBC, nous connaissons. C'est parce que nous, les nationalistes, nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour qu'on puisse passer là-bas. Aller dans les Congo intérieurs et diffuser l'expression du Congolais qui est victime de l'occupation. Hippolyte Kagame Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, plus d'une fois, nous vous l'avons dit, n'est pas un Congolais et ne peut pas promouvoir des élections crédible au Congo. Nous, les Congolais, nous sommes un peuple traumatisé. Depuis 1482, quand Diego Kao et les autres occupants explorateurs sont arrivés chez nous, nous n'avons connu que des atrocités. Nous ne donnons donc pas un crédit aux élections actuelles parce qu'il y a des irrégularités majeures. Manque d'électricité, pénurie d'électricité partout, les machines qui ne sont pas acheminées partout à travers les pays, les machines qui tombent en panne, le retard d'ouverture des bureaux et d'autres bureaux qui ne sont pas ouverts, la chasse aux soi-disant témoins des opposants et la grande erreur que les Congolais, soi-disant opposants, ont commise. C'est d'aller en ces élections. Oui, vous nous direz que c'est votre propre force. Oui, cela est vrai. Nous avons beaucoup parlé en avertissant les Congolais de boycotter ces élections parce que ces élections ne font que légitimer l'occupation de notre pays et le démembrement de ce même pays par M. Paul Kagame qui est soutenu par les multinationales. Ce sont des fausses élections qui doivent être annulées. Francine Muyumba
Tu te promènes en disant que les Congolais devaient aller prier. Tu penses que le Congo est là pour prier? Bon, certains Congolais qui devaient aller prier et ne sont pas allés à l'église parce qu'ils devaient jouer leur rôle citoyen. Écoutez, comprends très bien, nous n'avons pas besoin de la prière. Nous n'avons pas besoin de tes églises qui endormissent les Congolais. Tu n'es pas congolaise et tu dois foutre le camp parce que tu es une Tutsi. Nous ne cesserons jamais de dénoncer ceci. C'est moi, Djamadar Vibikil Kilele. Le Congo nous appartient et le projet Tutsi ne va jamais réussir cette utopie qu'il rêve.